Vis-à-vis des clients, nous avons mis une newsletter à disposition qui permet de parler de l'avis de l'entreprise, de l'avis des clients, de l'avis des collaborateurs pour qu'ils aient plein d'informations sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que les situations de conflit arrivent souvent quand les clients manquent d'informations ou n'ont pas les informations sur ce qui va se passer comme travaux dans leur résidence, est-ce que ma chaudière va être changée. Par ce mode de communication, on va pouvoir faire passer plein de messages. Ça risque de désamorcer pas mal de situations de conflit ou de situations d'information de nos clients. Nous avons aussi accueilli il y a 6 mois des jeunes volontaires au service civique avec la mission de contribuer au bien vivre ensemble, des actions de sensibilisation, d'information sur les incivilités, le trouble du voisinage, avec différents ateliers avec les jeunes, les moins jeunes. Et ça permet de favoriser le bien vivre ensemble.